Ouais, on peut s'applaudir d'être là parce que c'est nécessaire d'être là. On peut aussi se désespérer qu'encore une fois, après 25 ans d'une activité comme ça, d'une nuit des sans-abri, qui est là pour dire qu'il faut apporter une attention à la question de l'itinérance, il faut qu'il y ait des actions, il faut qu'il y ait de la solidarité, et c'est encore nécessaire. Non seulement c'est encore nécessaire, mais ce soir, dans 36 autres villes au Québec, l'idée qui a germé à Montréal, que quelques auberges-cœurs ont fait à l'époque, on parlait uniquement d'une nuit des jeunes sans-abri, c'est devenu une nuit des sans-abri, et c'est souligné dans 37 villes pour dire qu'il faut agir sur la question. Ça, on peut s'en réjouir. On peut s'en réjouir et on peut s'en désoler, parce que si ça existe ce soir dans 37 villes, c'est parce qu'il y a un problème. À Montréal, on le voit tous les jours, on le voit tous les soirs. Dans d'autres villes, on nie souvent le problème. Quand on parle d'itinérance à Laval, à Terrebonne, à Joliette, à Gatineau, à Saguenay, même à Québec, à Sherbrooke, à Valleyfield, à Rimouski, souvent, il y a un déni que cela existe. Pourtant, c'est vrai, c'est moins visible, mais ça existe. Beaucoup de gens, parce qu'il n'y a pas de réponse par ailleurs qui sont apportées dans ces régions-là, sont obligés de venir à Montréal. Donc, pourquoi on est ici ce soir? On est ici parce que c'est encore nécessaire, comme je l'ai dit. On est ici parce que l'itinérance, malheureusement, et c'est pas pour me répéter, j'ai dit la même chose l'an dernier et d'autres années, elle est en croissance à Montréal comme dans d'autres villes. Année après année, les grands refuges pour hommes accueillent plus de personnes et beaucoup de monde vont dans les refuges, mais c'est pas tout le monde qui y va. Année après année, soir après soir, à Montréal, les ressources d'hébergement court et moyen terme pour femmes sans-abri, femmes en difficulté, refusent des femmes faute de place. C'est un drame qui perdure et qui nécessite une action. Est-ce qu'on est ici pour rien? Est-ce que ça donne rien? La réponse, c'est non. On est ici parce que ça donne des résultats de se mobiliser, ça donne des résultats de se solidariser.